Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre épisode 3 de l'île de la dernière chance. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous le mettrai là-haut dans le petit i. Mais donc aujourd'hui, encore une fois, on va torturer nos petits Sims avec 3 petites épreuves. J'ai hâte de voir qui va vivre, qui va survivre. Rappelez-vous, à l'épisode précédent, nous avons accueilli un nouvel aventurier fait par vos soins qui se prénomme Eos. J'ai beaucoup trop hâte d'aller voir un petit peu tout ce qui va se passer aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en jeu. On se retrouve donc avec la mort et une puanteur des plus désagréables, mais apparemment pas forcément pour elle. On est accueillité du buisson à pipi, oui, c'est bien ça, voilà. Et on dirait que... oula, c'est dégueulasse au niveau de Fred. Ah, voici notre petit os, oui, il rencontre la petite Amy. Oh, trop bien, Amy et os, mais n'êtes-vous pas fait pour vous entendre tous les deux? Oh, regardez-moi les deux nouveaux aventuriers. Oh, quoi? J'avais l'impression que ça se passait bien, mais ça se passe pas très bien. La mort discute avec eux. Apparemment, Fred, tu es en train de te faire pipi dessus. C'est... non, tu vas faire pipi sur les serviettes. Mais c'est absolument dégueulasse, dis-moi. Le petit lit est en train de faire dodo, mais pas dans un lit. Hein, voilà. Partout, sauf dans les lits, à chaque fois, hein, comme d'habitude. Du coup, j'en étais où? Oui, voici du coup les tombes de nos deux précédentes perdantes. La faucheuse s'en va, et elle reviendra très vite, comme d'habitude. Donc voici la tombe de Claire et la tombe de Jenny, qui sont du coup les deux premières perdantes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, vous m'avez pas fait spécialement de retour. J'aime beaucoup que les tombes soient juste ici. J'ai enlevé le trait de caractère Esprit des îles, parce que ça me saoulait en fait de voir toujours des trucs des îles, et à la place, bah, j'ai rien mis du tout, donc voilà, il y aura plus les esprits des îles. Aujourd'hui est un nouveau jour avec de nouvelles épreuves. Pourquoi il y a un truc de bambin? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié parce qu'on a eu une épreuve de bambin. Donc garde ça dans ton inventaire, ma petite. Par là-bas, ça se prend une petite douche après s'être fait pipi dessus. Le petit os, tiens, on va aller le voir vu qu'il est nouveau. Il est absolument en train de nager avec des claquettes. Claire aussi avec des claquettes, je crois, avec son maillot de bain ou sa tenue de sport, je sais plus, mais c'est beaucoup trop rigolo. Et os, tu vas aller nager jusqu'où par contre? Jusqu'où? Jusqu'à une autre île? On n'aurait pas dit une sirène, on n'aurait pas dit que c'était une sirène en vrai. J'ai même s'il avait déjà des compétences et tout. Il a fitness niveau 1, comédie niveau 1, charisme niveau 1. Bon, je pense que ça, il vient juste de l'acquérir, quoi, avec tout le monde. Et au niveau des besoins, bah, il est déjà fatigué. Bah écoute, mon petit pote, faudrait peut-être arrêter de nager. Orteil Chatouillet, raison, nage au milieu de la faune et de la flore marine. J'avais jamais eu ce mot de lettre non plus. Un ami aquatique est passé juste sous Eos pour lui dire bonjour. Waouh, c'est trop mimes. Alors, il ne se passe pas grand-chose, hein. Il est 23h49 et bah, y a tout le monde qui dort, sauf les deux là-bas qui sont à fond. Alors, elle est très joueuse parce que à la belle étoile, elle discute avec Eos, air frais, et lui, il est enjôleur. Apparemment, Basina Jimboustian et Aura Romantique, il est à fond avec elle. Je savais qu'il y avait un truc entre eux, hein, je le savais. Ça fait genre une heure qu'ils discutent et ils finissent par aller se coucher. Ok. Et du coup, tout le monde va dormir. Bon, bah écoutez, bonne nuit à tous. J'espère que vous êtes en forme parce que dès demain matin, on va avoir la toute première épreuve. Donc, dormez bien. Ok, il est 7h10 du matin, Fred et Amy sont les premiers à se lever, ils vont jouer, alors il a faim et Burke les insectes. Si vous vous souvenez bien, il est devenu délicat, il a changé de trait de caractère. Les deux jeunes hommes là, ils sont en train de se reposer, donc bah, reposez-vous. Et bah, comme d'habitude, ils sont partis pour jouer, ils adorent vraiment ce petit jeu, j'ai bien fait de leur mettre, ils ont l'air de se régaler. Endormi plus 10 000, j'avais jamais vu, vous avez déjà vu vous? Oh non, qu'est-ce qu'il y a mon petit pote? T'as l'air tout blasé, pourquoi? C'est à cause des insectes, c'est ça? Et aussi parce que t'as besoin de voler. Mince, c'est les kleptos. Non. Ah, on en a un qui se réveille là-bas, c'est Eos. Salut Eos, apparemment tu vas fertiliser, ok. Et bah t'es mal à l'aise parce que t'as envie de faire pipi, donc ça tombe plutôt bien. Et lui du coup il est mal à l'aise, en même temps il discute avec Amy, c'est rigolo. Regardez-moi ça, on n'aurait pas un nouveau triangle amoureux là-bas derrière? Mais non, regardez-les. Oh quoi? Mais non. Mais oh quoi, il y a eu un plus sur lui aussi. Ah j'adore, ah, c'est trop bien fait. C'est trop drôle. Quoi? Se plaindre de sa vie amoureuse? Purée, j'ai pas fait exprès. Raison et jaloux. C'est quoi l'amour? Est-ce qu'il existe vraiment? Sélectionner un sim, sélectionner... Oh non, ça a disparu. Se plaindre de sa vie amoureuse dans la catégorie amicale. Mais non, c'est vrai qu'il avait eu un petit mois avec son amoureux, avec Fred, du coup. Mais c'est toujours un petit peu rose. Avec elle, c'est beaucoup rose, mais...
Je me souvenais pas de ça. Oh, le courrier d'aujourd'hui a été distribué. On s'en fout. Et avec lui, il n'y a pas de rose. Ouais, bah en même temps, c'est normal, il vient juste d'arriver, tu le connais pas. Enfin, je dis ça. Mais Amy, tu as pas mal de roses avec lui déjà. Ouais, il y a autant de verts que de roses, alors c'est incroyable. Et du coup, t'as du rose aussi avec lui. Ok. Alors, il est 16h44. J'ai accéléré le temps, puis j'ai un petit peu oublié de rappuyer sur play. Du coup, il va avoir lieu la première épreuve et il va s'agir de pêche. Donc, nos petits Sims vont pêcher une heure Sims chacun. Et à la fin, on va voir tout ce qu'ils ont récolté, voir un petit peu ce qui coûte le plus cher, qui aura récolté le plus d'argent. Et du coup, bah, ce sera celui-ci qui aura gagné. Et forcément, celui qui aura rapporté le moins d'argent aura perdu. Parce que nous, c'est pas spécialement le gagnant qui nous intéresse, mais plus le perdant. Du coup, on va commencer à 17h, le temps qu'ils viennent ici. Enfin d'ailleurs, oh mince, j'ai annulé ça, pourquoi tu discutais avec Eos? Désolée. Du coup, ça va être Lee qui va commencer. Comme d'habitude, on va faire dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Il est très enjôleur. Tu vas venir ici, j'espère que tu vas arriver avant 17h, comme ça tu peux faire de 17 à 18 comme moi j'avais prévu, s'il te plaît. 58, 59, non. Reviens là de suite, il va s'échapper. Ouh, c'est bon. Allez, tu vas pêcher. Et c'est parti, tu as jusqu'à 18h pour pêcher et du coup tout ce qu'il aura dans son inventaire, on va calculer combien de simfoods ça va coûter. Je vais regarder qu'il n'y a rien d'autre dans son inventaire d'abord. Alors s'il y a déjà des choses, vite, je vais vendre tout ce qu'il a déjà. Ah, ça je peux pas le vendre, ça je peux le vendre, ça je peux le vendre et ça je peux le vendre. Ok, voilà, donc là il part à zéro. Ça coûtait très cher tout ce qu'il avait dans son inventaire, dites-moi. Je ne vais pas du tout accélérer le temps pour lui laisser le temps de pêcher tout ce qu'il a besoin de pêcher. Ça fait 22 minutes et pour l'instant, tu n'as rien pêché, Lee. Tu es en très très mauvaise posture, ça ne va, mais alors pas du tout. Si je perds encore un de mes Sims, je vais faire une dépression. Surtout que Lee et Fred, quoi. Lee et Fred, on ne peut pas les séparer tous les deux. Enfin, vraiment, ils seraient trop tristes l'un sans l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans son inventaire, il y a quoi? Il y a toujours rien? Oh, mais il y a toujours rien. T'as rien attrapé, Lee. Oh, mais quelle honte, c'est un scandale. Dépêche-toi, il te reste que 20 minutes Sims pour avoir attrapé quelque chose. Oh là là, plus que 10 minutes Sims, il a toujours rien attrapé, mais c'est incroyable. Allez, sa mort, là, tu vas attraper un truc. Attrape au moins un poisson, je sais pas. Non? Toujours pas? Mais il n'aura rien attrapé. Attends. Je vais appeler Fred déjà. Fred, tu peux venir ici s'il te plaît pour faire ton tour de pêche. Pourquoi je ne l'ai pas appelé avant, pétard de pétoule? Viens ici, Fred. On dirait que les poissons sont trop malins pour Lee dans le coin, essayer de pêcher ailleurs jusqu'à ce qu'ils s'améliorent ou essayer d'utiliser un appât de plus grande valeur. Oh non, purée, je suis dégoûtée. Allez, c'est à Fred. Je vais compter à partir du moment où il vient pêcher. Est-ce que tu peux éviter de faire des batailles de bombes à eau quand même? Et du coup, tu as une heure à partir de maintenant, jusqu'à 19h10. Allez, s'il te plaît, essaye d'attraper des poissons, fais pas comme Lee. J'ai pas envie que ce soit mes Sims qui perdent, ok? C'est les Sims des abonnés qui perdent aujourd'hui. On les vainc, on reste pas là, faiblard, et on perd, ok? On a déjà perdu 2 sur 4, je vous signale. Amy, je vais commencer à la faire venir, voilà, parce que je vois qu'elle est là-bas, elle est endormie. Donc viens ici, ma petite, s'il te plaît. Le temps qu'elle vienne, je sais pas quelle heure il sera, mais au moins, elle sera par ici. Allez, Fred, attrape des poissons, s'il te plaît. Putain, il a déjà des trucs dans son inventaire, j'ai pas vérifié juste avant. Bon, ça va, juste une rose qu'il a dû s'échanger avec Fred et un coquillage, voilà. Oh, peut-être qu'il va rien attraper, lui aussi. Je serais tellement déçue si c'était le cas. Oh non. Allez, il te reste plus que 30 minutes, donc si tu pouvais attraper quelque chose, s'il te plaît. Oui, ça mord. Allez, attrape. Mais pourquoi il a rien attrapé, lui aussi? Non! Pour l'instant, mes deux Sims n'ont rien attrapé. Amy, vous voyez que j'ai bien fait de l'appeler 1000 ans avant. Elle est à peine en train d'arriver. C'est un truc de dingue, par contre. Amy, il est bientôt temps pour toi de venir pêcher. Donc, tu vas venir. Oui, je sais que t'as envie de faire pipi. Bah, vas-y, fais ton pipi dessus. Il te reste ensuite 10 minutes. J'espère que tu vas pas aller te laver. Hein, voilà. À mon avis, c'est ce qu'elle va vouloir faire. Donc, il va falloir que je la séquestre ici. Tu restes ici. Non, tu vas pas te laver. Tu as encore 3 minutes devant toi, 2 minutes, 1 minute, et vas-y, pêche. Allez, pêche, à 19h. Oh là là, Fred, il faut que t'arrêtes, Fred. Tu as perdu. Voilà, stop it now. Tu n'as rien pêché du tout, fais voir dans ton inventaire. Il n'a rien pêché du tout. Oh, c'est une honte, c'est un scandale. Alors là, franchement, je suis mais dépité. Toi, tu fais une bataille de bombes à eau là-bas, bah, commence à venir, hein, voilà, comme Amy.
Amy, tu n'as pas intérêt d'attraper les poissons. S'ils attrapent rien, je vais les faire pêcher tous les quatre en même temps et ce sera le premier qui pêche un poisson qui gagnera, puis le deuxième, puis le troisième. Enfin, vous avez compris quoi. N'attrape rien toi, hein, je te préviens. Hein. Et ouf, n'attrape rien. On a eu de la chance purée, mais attendez, j'oublie toujours de regarder dans leur inventaire au début. On va tout vendre, on va tout vendre. Hop, hop, hop. Elle aussi, ça coûte de l'argent ce qu'elle a dit donc. Voilà. Ea, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît, parce que c'est bientôt l'heure pour toi de devoir pêcher. Apparemment, on dirait que personne ne va rien attraper pour cette épreuve. C'est assez frustrant. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils ont tous le niveau 0 en pêche? Je ne sais pas. Oh, oh, est-ce qu'elle ramène quelque chose? Oh, elle a ramené quelque chose! Elle a ramené quelque chose! Arrête, viens ici, ça va être à toi de pêcher. Mais non, mais c'est incroyable par contre. Incroyable. Allez, à 10, elle va s'arrêter et lui va pouvoir prendre... Reste ici, hein. Oh là, je le fais marcher, comme ça il reste ici. 8, 9, et va pêcher. Amy, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Voilà. Ouf, bah elle avait rien attrapé d'autre. Et du coup, Eos, bon, logiquement, lui, il aura rien du tout dans son inventaire. Je vais quand même vérifier, parce qu'on n'est pas à l'abri. Non, il a rien du tout. Oh, Amy, tu as gagné, mais combien grâce à... Oh, c'est un appareil photo qu'elle a trouvé en plus. Ça coûte combien? Oh, 85 simflouz. On dirait que les poissons sont trop malins pour Amy. Ils ont tout de même été trop malins pour elle, mais elle a quand même eu 85 simflouz. C'est énorme. Il reste plus que Eos, du coup, à voir ce qu'il va attraper. Pour l'instant, rien. Eh bien écoutez, à mon avis, on va avoir un trio de garçons qui vont pêcher ensemble. C'est Amy qui a gagné dans tous les cas, parce que, enfin, il reste un petit quart d'heure encore à notre petit Eos, mais pour l'instant, c'est Amy qui a gagné. Hein. Allez, est-ce qu'il va ramener quelque chose? Oh là là, il a ramené quelque chose. C'est quoi? C'est une algue? Mais du coup, tu la rejettes? Ah bah du coup, il a rien ramené au final. Non, il a rien ramené. Mais non, c'est trop drôle. Allez, venez ici les garçons, vous allez faire un petit concours de pêche, j'ai l'impression. Dans tous les cas, il y aura un concours, hein, que Eos ramène un truc ou pas, de toute façon. 4, 3, 2, 1, et t'as rien pêché d'autre, ok. Alors, les garçons, vous allez tous venir ici, s'il vous plaît. Toi, tu es déjà là. Lee, tu vas venir ici aussi, s'il te plaît. Bougez-vous les fesses. Ils sont tous les trois là et du coup on va faire pêcher avec. Donc vous allez pêcher tous les trois ensemble. Et bah je sais pas comment on va procéder. Bah le premier qui attrape un truc comme j'ai dit. Allez Fred, arrête d'avoir froid, tu perds du temps là, je sais pas moi. Attendez, attendez, attendez. Je vais me mettre en caméra comme ceci. Au moins on les verra tous les trois. Et Eos est en train de ramener sa ligne ou je rêve? Non, je suis en train de rêver. Oh là là, oh là là, c'est potentiellement le premier à ramener quelque chose. Peut-être Fred, oh je sais pas. Oh, je suis trop stressée en vrai. Bon, là, j'accélère un petit peu le temps quand même, il faut pas abuser, hein. Fred, Fred, Fred! Oui! Bravo, Fred! Oh, bravo, bravo. Oh, ben voilà, j'allais le faire arrêter, mais il s'est arrêté tout seul. Tu as attrapé un poisson rouge, bravo, Fred! Je te félicite. Un petit poisson rouge, trop bien. Allez, les deux autres, vous continuez. J'ai hâte de voir qui va pêcher son poisson. Allez, Lee, il faut que tu le battes. Oh non, Eos, il s'est arrêté. Vous croyez que c'est parce qu'il a trop envie de faire pipi? Eos, il faut que tu pêches quand même. Vas-y, pêche. Tu n'as pas d'autre choix, sinon tu vas perdre par procuration. Lee s'est arrêté aussi, il faut que je le fasse reprendre aussi. Lee, je sais que tu es fatigué, mais ton honneur est en jeu. L'honneur de moi-même, en fait, est en jeu. L'honneur des aventuriers, ok? Des premiers aventuriers. Allez, allez. Oh, Eos, il a failli attraper un truc, heureusement. Lee, ramène-nous un truc, s'il te plaît. Ramène-le, ramène-le. Ouh. Oh non, c'est une algue, ça compte pas. Mais Lee, je veux que tu ramènes un truc. Pourquoi des algues? Oh, oh Eos, attendez, attendez. Nouveau trait de caractère, accepter le changement, aventureux. Ok, le truc de notification est plein. Oh, Eos a attrapé... Non, Eos a attrapé un goupy. Oh non, Lee. Oh non, Lee, il a rien attrapé. Oh, qu'est-ce que je suis dégoûtée. Bon, mais vous pouvez arrêter de pêcher, c'est Lee qui a perdu. Oh, Lee, tu es le premier perdant. C'est toi qui vas peut-être mourir aujourd'hui. Tu me fais déshonneur, tu me fais la honte. Pétard de pétoule. Même si vous êtes très sympa, Amy et Eos, mais ce sont mes Sims que je veux qu'ils gagnent. Il y a encore un truc sur le feu, mais c'est pas possible, ça. Alors là, il y a un truc périmé, et là, il y a un truc sur le feu. Ok.
Alors, il est 6h21 du matin. Amy est la première à se lever. Apparemment, elle a la dalle et elle va servir le repas. Mais écoute, c'est une très très bonne initiative. Peut-être que ça va faire lever les garçons. Au niveau des besoins, t'as pas mal faim. Et le reste, c'est plutôt pas mal, écoute. Donc, oh, mais... Elle sert le repas, puis elle cherche des trucs dans le sable. C'est tout sauf logique. Mais vous faites toujours le même plat. Dîner avec du poisson. Ok. 9h48 avant péremption. Donc, si vous voulez manger, je serai vous. Je tarderai pas trop, quand même. Alors, Lee est le dernier à se lever. Apparemment, il a envie de faire pipi. Ici, ça mange. Là-bas, ça discute. Et pas que. Il y a eu des petits cœurs verts. C'est mignon tout plein. Avec qui il y a eu des cœurs Il faut se calmer, là, tous les trois, par contre. Hein. Toi, Fred, tu discutes juste. Ok. Bon, bah, écoute... Je sais pas avec qui, je crois que c'est avec lui hein, qui a eu du rose de toute façon, parce que c'est au-dessus de lui qui a eu un petit cœur. Lee, tu as fait pipi ou pas? Qu'est-ce que tu fais devant le buisson? Ah, tu viens manger, ok. Il a peur de l'eau lui aussi, c'était pas le génie qui avait peur de l'eau. Bah maintenant ça va être Fred, d'accord. Écoutez, pourquoi pas. Oh, encore un petit cœur, mais ça va la tête ou quoi tous les trois là? Et après Jenny, c'est Claire qui commence à nous téléphoner depuis l'au-delà. Je sens que c'est mon jour de chance et de la conscience geek qui a eu lieu en ce moment. Envie de tenter de gagner les concours du festival avec moi. Non merci Claire. Oh la poids, c'est dégoûtant. Environnement dégoûtant. Doit vraiment faire pipi. Ok, ok. Bon, bah, écoutez, il est vraiment pas bien le pauvre. Déjà, il a envie de faire pipi. Je serai toi, au lieu d'aller me détendre, j'irai faire pipi. Hein. Déjà, je pense que ça pourrait être pas mal comme plan, mais toi non, apparemment. Alors, il est 15h27, comme d'habitude, je dépasse un petit peu l'horaire de l'épreuve, mais c'est parce que j'arrive pas à réunir tout le monde au même endroit, c'est vraiment infernal, du coup, l'autonomie. La deuxième épreuve du jour, ça va être du bronzage. Oui, 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 vous avez bien compris. On va faire bronzer nos 4 Sims exactement en même temps, et le premier qui chopera un coup de soleil, ce sera notre perdant, donc ça va être aussi simple que ça. Donc, apparemment, Lee, tu avais déjà prévu le coup, tu allais faire une sieste, mais non, pas du tout. Tu vas, du coup, te faire bronzer, donc se faire bronzer on va dire en maillot de bain, on va dire tout le monde en maillot de bain. Fred, tu vas également te faire bronzer en maillot de bain et ainsi de suite, voilà, tous les quatre à côté. Il va falloir que... Oh non, pourquoi? Oh non, parce qu'elle est mal à l'aise. Non, ben attendez, alors il va falloir attendre qu'elle soit plus mal à l'aise, la petite, parce que je sais pas comment faire. Je crois que c'est parce qu'elle a envie de faire pipi, donc là il va falloir que j'intervienne. Tu vas aller fertiliser tout ça, reviens-nous vite, comme ça après on va pouvoir commencer l'épreuve. Et du coup tu vas faire aller ici ensemble, comme ça tout le monde va être au même endroit. Lee, s'il te plaît, viens ici, allez ici. Voilà, je remets pause. Elle a fait pipi, s'est fait bronzer en maillot de bain et c'est reparti. Toi, me dis pas que tu peux pas le faire, hein, si c'est bon. Se faire bronzer en maillot de bain, t'es capable de faire pipi dessus en même temps. Toi aussi, t'es embarrassée pour... Oui. Rejeté en tant qu'éventuel partenaire de crac-crac, quoi. Les avances d'amis ont été refusées, c'est très embarrassant. Mais excuse-moi, j'ai loupé un épisode là ou quoi? Te faire bronzer en maillot de bain. Et enfin, Eos en dernier, te faire bronzer en maillot de bain. Donc, normalement, les loups, vous avez rien d'autre en cours. Normalement, c'est bon. Et c'est parti, on va se faire bronzer. Excusez-moi, mais ça bug. Quoi? Pourquoi tu ne peux pas? Non, 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 mais... Mais pourquoi il me saoule ces Sims? Pourquoi? Pourquoi toi tu peux pas y aller te faire bronzer? Pourquoi? Qui c'est qui t'a dit non? Personne t'a dit non. Eos, arrête! Eos, viens te faire bronzer ici en maillot de bain. Ok, j'ai à nouveau mis 4 serviettes. Enfin, j'ai supprimé les anciennes et j'en ai mis 4 nouvelles. Voilà, normalement il devrait pas y avoir de problème avec tout ça. Donc, s'il vous plaît, venez vous faire bronzer, te faire bronzer en maillot de bain. Me dites pas que ça va bugger encore parce que je sens que... Je ne vais pas supporter cette nouvelle, donc arrêtez s'il vous plaît de me faire tourner en bourrique. Et j'appuie sur play. Non, il peut pas bronzer. Se faire bronzer en maillot de bain. Mais bouge tes fesses. Ah c'est bon, ah c'est bon, ah ouf, ça y est. Oh, bon bah écoute Lee, tu es le dernier à t'être mis, je ne suis pas d'accord. Allez, on va se mettre en caméra comme ceci. On va essayer que ma grosse tête ne vous gêne pas. Comme ça, normalement, ça devrait être bon. Oh là là, je sais pas qui c'est qui va avoir un coup de soleil en premier. Bon là, en tout cas, ils sont vachement à l'ombre, donc ils risquent pas d'en attraper un tout de suite non plus. Je pense que je vais accélérer le temps, voilà, parce que j'ai pas envie d'attendre 1000 ans. Déjà, pour la pêche, c'était long. Pour les faire se mettre sur les serviettes, c'était très long aussi. Donc voilà, on va accélérer le temps. Hein.
En tout cas, là, ils font ce qu'ils aiment le plus, hein, c'est-à-dire rien. Se reposer, se relaxer, rien faire, quoi. Et Oz, c'est le seul qui a pas bougé depuis le début ou pas? Parce qu'ils arrêtent pas tous de se retourner comme des crêpes, mais Oz, il a pas bougé, je crois. Ou alors, je l'ai pas vu et je m'en rappelle plus, c'est aussi très très possible. Amy, c'est celle qui bouge le plus, peut-être que c'est elle qui n'aura pas trop de soleil. Ah, ça y est, Oz vient tout juste de bouger. En tout cas, ils vont avoir des teintes très hâlées. Oh là là, oh là là! Attendez, attendez. Eos, il est en train de choper un coup de soleil ou pas? C'est quoi ce halo autour de lui? Attendez. Oh, commence à brûler. Raison se fait bronzer. Si Eos reste encore longtemps au soleil, il prendra un gros coup de soleil. Amy aussi. Oh, ils sont tous rouges. Oh là là, ils sont tous rouges. Oh, qui va être le premier à être rouge? Peut-être que c'est Eos parce que c'est le premier à être devenu rouge. Oh, on les voit pas spécialement qu'ils sont rouges les autres à cause de leur serviette. Oh là 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 là. Qui va être le premier à être rouge? Peut-être Eos, parce que, comme je disais, c'est le seul qui s'est pas tourné tout de suite, tout de suite. Aïe, 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 aïe. Les deux autres là-bas, ils sont mal à l'aise. Pourquoi? Commence à brûler aussi. Pourquoi il s'est arrêté, lui? Bah. Joli bronzage. Mais non, mais je t'ai jamais demandé d'arrêter, en fait. Fais-toi bronzer en maillot de bain. Mais ça va pas, la tronche. Mais il triche, en plus de ça. Non, mais attendez. Mais du coup, il a plus le halo rouge autour de lui. Oh, il est très mal à l'aise parce qu'il a envie de faire pipi. Mais je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche. Non, non. Purée, je suis obligée de régler tes trucs directement, se faire bronzer en maillot de bain. Je m'en fous. S'il reprend pas au stade où il était, c'est lui qui aura perdu. Hein. De toute façon, c'est lui dont le halo est devenu en premier orange. Donc, franchement, là, ce serait vraiment de la triche. Il a plus du tout le moodlet en plus, donc c'est n'importe quoi. Fred, Fred, je crois qu'il a attrapé un coup de soleil. Brûle, hélas, trop tard pour Fred, sa peau est officiellement brûlée. Du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, là, c'est potentiellement Fred, du coup. Oh non, peu cher, tristesse partagée, je sais pas pourquoi. Oh, il est tout rouge, il est trop mignon. du coup, ouais, je sais pas quoi faire en raison de Eos, parce que je crois que c'est lui qui allait devenir tout rouge en premier, mais il s'est arrêté parce qu'il a eu envie de pêcher et ensuite elle a été mal à l'aise, donc je sais pas trop. Mais pourtant, c'est Fred qu'on voit tout brûler là, donc je sais pas. Je sais pas trop. Mais pour moi, je suis désolée, mais c'est Eos qui a perdu, du coup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que j'ai raison ou pas, mais ça fait une défaite pour Lee, une défaite pour Eos, pour moi. Eos, ce gros tricheur, c'est le seul à être resté blanc comme un cul. Ah bah, c'est normal, monsieur. Tu t'es enlevé alors que tu allais choper le coup de soleil en premier, donc je repasserai quand même les images avant la troisième épreuve pour être sûr que c'était lui dont le halo est devenu orange en premier. Eh bien, vous savez quoi? Après avoir revisionné les images, c'est... oh là! Pourquoi t'es choquée? Ah, parce que tu l'as vu sous la douche. Ça va. Tu as du rose avec lui. Ne me prends pas pour une tartine. Mais du coup, c'est Amy qui a eu son halo en premier. Et en plus de ça, elle a du coup fini par avoir son coup de soleil. Donc, c'est elle qui a perdu et pas Eos. Parce que Eos est devenu orange juste après. Enfin, le halo orange, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, voilà. Enfin, voilà, c'est ce que je disais. T'as été choquée de l'avoir sous la douche. Et puis après, tu discutes avec lui. Pas non plus me prendre pour un lapin de 6 semaines. Hein. Alors, j'ai oublié d'appuyer sur record bon moment, mais Amy est devenue jalouse parce que Eos a dragué Fred, je crois, sous ses yeux, et du coup, bah, ça lui a pas plu du tout. Et bah, j'ai été obligée de dire oui, hein, vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on me propose oui ou non, bah, là, j'ai dit oui, du coup, elle est devenue jalouse. Oh, coucou, comment ça va, Jenny, c'est ça? Oh, elle vient rencontrer le nouvel aventurier. Coucou. Mais non, c'est trop drôle. Pourquoi tu es toute violette? C'est quoi ton trait de... Pourquoi violet, c'est quoi? C'est parce que t'es jalouse, toi aussi? Ou c'est comment? Parce que tu étais ni avec Eos, ni avec Amy à la base. Donc peut-être avec Fred, du coup. Oh, ouais, elle avait du rose avec Fred. Et c'est peut-être avec... Oh oui, il est devenu enjôleur. Un lien spécial, se sent proche de quelqu'un à proximité. Mais non, mais ça veut dire que du coup, Eos a vraiment dragué Fred. Et du coup, bah, Amy est devenue jalouse. Et du coup, Jenny est jalouse aussi parce qu'elle avait du rose avec Fred. Oh, mais c'est incroyable, ces rebondissements sur l'île des aventuriers, on aurait pu l'appeler l'île de l'amour. Enfin, c'est pas l'île des aventuriers, c'est l'île de la dernière chance déjà. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Il est l'heure de la troisième et dernière épreuve du jour. Vous l'aurez vu, il s'agit de plantation. J'ai acheté 4 lots de graines, je crois que ce sont des fleurs. Oui, voilà. On va tous les ouvrir. J'ai acheté les 4 mêmes en espérant pouvoir avoir 4 fleurs exactement identiques à planter.
Donc, on va tous les ouvrir. Merci, bisous. 1, 2, 3, 4. Ok, regardons à présent dans l'inventaire ce que nous avons eu. Oui, on a eu 8 fois la même chose, 6 fois, 6 fois, 6 fois. Ok, je pense que l'on va s'occuper de faire du coup des chrysanthèmes. Je vais les mettre à l'intérieur de chaque jarre. Hop là, voilà. Et ensuite, on va les faire tous venir ici. Il faut que je crée une bande, parce que je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, elle s'annule, alors que tout à l'heure, ils étaient tous en bande. Oh, premier baiser, oh là là, mais excusez-moi. Former une bande. Je savais plus quoi faire, tellement j'étais choquée par ce premier baiser. Voilà, tout le monde fait partie de la bande. Et maintenant, on va aller ici, tous ensemble, s'il vous plaît. Donc, c'est parti. Toi, tu vas planter ici. Fred, tu vas planter ici. Et cette fois, il faut pas que je me plante. Il faut vraiment que je regarde le premier ou la première qui aura fini. Oh, elle est énergisée. Elle va planter. Et Eos, tu es embarrassée. Tu vas planter également. Je vais me mettre, je dirais, comme ceci. Je pense que normalement, on devrait pouvoir voir qui est le premier à terminer. Du moins, je l'espère. Peut-être que je me mets un petit peu plus surélevée comme ça. Et j'appuie sur play. Dépêchez-vous, messieurs. Oh là là, Lee, Fred, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Le dernier à avoir planté sa rose aura perdu. Ce n'est pas une rose, c'est un chrysanthème. Oh, et ça finit en premier. Amy en deuxième. Et Fred en troisième. Lee, tu as perdu. C'est Lee qui nous quitte aujourd'hui. Il en est à deux défaites. C'est avec une immense tristesse que Lee le tombeur va nous quitter aujourd'hui. Se faire tuer par un méchant lapin tueur. Lee, je suis si déçue. Toi qui étais le tombeur de cette île, toi qui étais un de mes aventuriers que j'avais créé, il ne restera plus que Fred pour ma part et je vais le remplacer Lee du coup par une de vos aventurières. La faucheuse est arrivée, bonjour madame, ça faisait pas hyper longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait juste 3 jours Sims. Oh, malheur de malheur, il me reste plus qu'un seul aventurier. Oh, à mon avis, je vais pas réussir à tenir le coup. Oh non, mais je suis si déçue. Lee, pourquoi? Tu avais trop faim, tu frottais ton ventre dans l'espoir de manger un petit quelque chose et du coup ça t'a retardé par rapport aux autres et voilà le résultat, aujourd'hui tu es mort, tu me fais le déshonneur et la honte, franchement je suis dégoûtée quoi. Puis en plus tout le monde était amoureux de toi. Pourquoi tu es terrifiée? Parce que la faucheuse est effrayante, mais tu es en train de mourir. Je ne le comprends pas. Ellie s'en va, son âme est récoltée par la faucheuse. Nous allons pouvoir prendre sa pierre tombale et la glisser pas loin des autres. Bah apparemment c'est comme la dernière fois, je peux pas. Bah tu vas rester ici puis je te mettrai en mode construction moi-même de mon côté. En attendant, comme d'habitude, on va se retrouver dans créer un sim. On n'oublie pas de faire le petit code de triche casse full edit mode parce que sinon je ne pourrai pas ajouter de nouvelles personnes au foyer. Et modifier dans le CUS. Alors nous voici dans la galerie. Alors pourquoi y a-t-il des familles Léo 3 et Pizza Conige, enfin non, il faut pas des familles, il faut pas des enfants et tout. Donc aujourd'hui il nous faut choisir une fille, je sais pas trop vers qui j'ai envie de m'orienter du coup pour le coup. Je ne sais pas, oh Charla, oh là, calme-toi, non, je veux revenir ici. Charla du coup je disais a l'air très sympathique, voilà ma sim, j'espère qu'elle va tout péter MDR, bah écoute... Ton discours me fait vraiment trop rire. Charla Piastri, bah écoute, je vais te faire intégrer l'aventure. On va faire placer un foyer. Tu as une tête très sympathique. Et bah j'espère que tu vas pas tout péter non plus. Hein, parce que bon, j'ai pas envie que vous gagnez. Moi, j'ai envie que c'est moi aussi ceux qui gagnent, ok? Donc voici la petite Charla Piastri. Ça a l'air italien, tout ça. C'est très mignon comme nom. Du coup, elle est amatrice de plein air, ambitieuse, adore la nature et aventureuse. Voici à quoi elle ressemble en tenue quotidienne, en tenue habillée, tenue de sport, tenue de dodo, tenue de fête, tenue maillot de bain, tenue temps chaud et tenue temps froid. Eh bien écoute, bienvenue dans l'aventure. Tu as l'air équipée avec ta montre connectée. Tu vas pouvoir voir ton rythme cardiaque et tout en temps réel. Et bien c'est parti, on la place avec les autres. Eh bien écoutez, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Encore un de mes aventuriers qui a fini par mourir.
Oh bon sang, mais il m'en reste plus qu'un. J'espère que je vais pas finir par le perdre lui aussi. En tout cas, au fil des épisodes, je fais que perdre mes aventuriers, ça m'énerve. Vous allez finir par gagner et c'est un de vos Sims qui va gagner, il donne la dernière chance, ça m'énerve. Non, 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 il faut que je chuchote à l'oreille de Fred et que je lui dise de se ressaisir. En plus, là, il a perdu l'amour de, pas de sa vie, mais l'amour de son aventure, Lee. Donc j'espère qu'il va se ressaisir. Hein. Attention, attention. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.